parti pas choisi. Qui joue qui l'aime pour le détruire. Si tout le monde a maltraité, pour ça là nous protéger, ni perdre mais la vie. Kanati gen yon moun qui te créé, qui même ça qui gen doit décider. Faut pas compliquer la vie, laissez méchanceté les hommes côtés, sans mettre la balle jugée. Nati gen yon moun ki te kreye, se li menm ki gen dwa deside. Fòk pa komplike la vi, lese mesyanse les an kote, san mèt la va juje. À travers ces résolutions, il y a eu des transferts de la part de l'UMAT. Ce que nous sommes en train d'enquêter aujourd'hui sur le réforme de l'OCA. Puisqu'il y a eu trois résolutions, donc on va revenir sur ces trois résolutions. Mais cependant, dans le rapport de l'UMAT dessus, donc peut-être vous avez eu la chance d'avoir eu ce rapport, vous avez été dépêché. La chance aujourd'hui d'apporter une explication au cas où il y a. Effectivement, il y a communauté de vue que ce projet va continuer. Ils ont été arrêtés par le gouvernement canadien. Et après ça, ils ont été résiliés par le prochain gouvernement. Mais tout ce que nous avons fait nous-mêmes, c'est suite à un accord au sein de l'exécutif de continuer avec ces projets et donc de dégager pour les compagnies. Jamais commencé. Il n'y a jamais une seule maison qui a été construite à Wellville, une seule maison qui a été construite à Fort National. Je ne suis pas concerné parce que ce n'est pas ça à Anaka. Je n'ai rien signé comme Anaka. Donc je ne peux pas donner une explication sur un contrat que je ne connais pas. Moi j'ai signé pour Wellville, pour Fort National. Ce qui s'est passé après, je ne sais pas. La seule chose, c'est que j'ai un document. Vous l'avez remis déjà. J'ai un document. Je ne sais pas si vous l'aviez. C'est une résolution du Conseil des ministres de 2012. Ni Jacques Gabriel, ni Jean-Marc Gabriel, ni Jean-Marc Gabriel, qui réaffecte au sein d'une résolution du Conseil des ministres de l'époque arrivée, les deux réunions, chaque fois ce qui concerne le projet de l'eau, qui ne commence pas. On parle pas de la Catherine, on parle pas de cette réunion, on parle pas de cette réunion. Donc, maintenant, quand j'ai un rapport, qui se passe 6 ans après et qui fait 3 quarts du rapport qui nous concerne sur 2 contrats en analysant les éventuelles solutions de réunion avec les entrepreneurs, pour un contrat qui n'a jamais été mis en exécution ou qui n'a pas eu à faire d'autres décaissements. Donc là, on appelle ça pour les contrats avec eux qui n'ont jamais été mis en exécution. On appelle toujours les compagnies affiliées à moi. Par les ministres, alors que nous n'avons jamais eu l'occasion de démarrer les projets que nous avons dessinés, l'argent que nous avons donné à ces compagnies pour ces projets ont été affectés à d'autres. Donc moi je suis très mal pris, après 6 ans et après 3 convocations de la commission, d'expliquer des contrats qui n'ont jamais été mis en exécution. Les politiciens, les ministres, les premiers ministres après sont venus critiquer les contrats avec les compagnies de l'économie. Vous n'avez jamais entendu une seule compagnie haïtienne. Peuvent dire qu'il n'y a jamais dit nous pouvions construire 12 000 appartements à Front National ou 13 000 appartements à Bruxelles. Il n'avait ni le capital, ni les équipements, ni le know-how. Personne n'a jamais fait ça en Haïti. Personne n'a jamais fait ça en Haïti. Donc, moi, si maintenant on vient me reprocher que j'ai appelé des Dominicains pour faire le ministère de l'Intérieur ou bien pour faire un parc sportif, je ne comprends pas, je n'ai pas signé ces contrats moi-même. Je n'ai pas signé ces contrats, je n'ai jamais demandé à des Dominicains de faire des ministères. J'ai des Haïtiens qui veulent le faire. Ce n'est pas pour ça que j'avais appelé les Dominicains. J'ai appelé les Dominicains pour les choses que les Haïtiens ne savaient pas encore faire à l'époque. Maintenant, pour transférer les contrats que j'ai signés, pour faire d'autres choses, mais que ce n'est pas moi qu'on me demande au gouvernement de l'éducation, une chose impossible. Ce n'est pas pour ça que j'avais appelé les Dominicains.
j'appelle les mobilités pour faire des choses que les Haïtiens ne pouvaient pas faire, ils ne pouvaient pas encore faire à l'époque. Est-ce qu'on peut vous donner un exemple de centre de construction de 13 000 appartements qui a été fait en Haïti déjà? Mais si vous allez répondre, que nous allons en voir. Donc, voici la logique simplement d'appeler les mobilités. Ce n'était pas pour remplacer un secteur privé haïtien qui, à l'époque, mon gouvernement était là, travaillait, je crois, le ministre des Travaux Publics, le ministre des Finances est là, pour regarder les décaissements, c'était 90% des compagnies haïtiennes. Donc, aujourd'hui, sont devenues des compagnies qui se sont structurées, qui ont appris à travailler, qui se sont capitalisées, qui ont acheté du matériel. J'ai appelé les étrangers dominicains pour les choses que les Haïtiens ne savaient pas faire, parce que vous êtes de la province. Moi, je donne une compagnie haïtienne à faire un travail dans le sud, mais qu'il en même temps un travail dans le monde. Vous savez très bien, vous êtes sénateur, qu'il commence à faire 200 mètres là, mais tout sur un camion, monte dans le nord, 150 mètres, redescend avec les mêmes équipements, parce qu'ils n'ont pas plus d'équipement. Il fallait faire ça pendant la période du tremblement de terre, alors qu'on avait un état d'urgence à faire. Les compagnies haïtiennes, à ce moment-là, et le ministre de l'État, que nous avons fait des gens, étaient au maximum de leur capacité. Au maximum de leur capacité. Donc, vous n'avez jamais entendu haïtien de construction dire gouvernement ça va être mieux dehors alors que c'est à faire. Mais par contre, nous sommes des films là. Nous ne sommes pas des films haïtien. En général, ces ministères sectoriels font les requêtes à partir de la France. Comment vous procédez? Vous envoyez ces requêtes qui n'ont pas. C'est le même. On envoie la résolution au PERPAC, on envoie la résolution et les requêtes. Le même PAD est secrétaire, enfin le directeur général du même PAD est secrétaire du conseil. Donc, il a déjà la résolution. Maintenant, les contrats ont le lieu en droit à chaque fois que c'est signé. Donc, imaginons que j'ai bon, un ou pas, exemple simple, qui responsabilité, ou gain, en tant que Premier ministre, ministre TPTC et Finances. Ou si un contrat, ou dans l'État, on fait exécuter un projet, maintenant, on délai un an pour l'exécuter. Maintenant, ça a passé. Agréé qui vient. Qui est responsabilité? Pas ou qui? Ça dépend pour les pas fait. Si un an, si il prend un an pour faire une expropriation et que l'expropriation n'est pas faite, c'est votre qui est-ce dit. Non, expropriation. Non, mais vous supposez jouer de nos côtés que responsable poursuivre firme ça. Non, mais c'est pas faute. Je ne vais pas gagner 10 millions de dollars, responsable l'État. On est prêt 10 millions de dollars d'ici à l'heure. Bon, c'est là. Mais après 10 millions, c'est ça la difficile. De qui peut de qui projet n'a parlé? Par exemple, le Parlement. Le Parlement. Parlement, son bac. Le ministère des Affaires étrangères. Parlement signé par. Gouvernement qui était là en 2010. Je peux pas être général. Non, mais vous êtes des responsables. Nous sommes des responsables. C'est ça, ma tour. Nous sommes des certaines choses. C'est ça, ma tour. Mais quand ça, ok. Bah là, c'est en 2010. Tu as une résolution de Cour supérieure des comptes qui dit bloquer tout contrat qui n'a pas de décaissement sous. Apparemment, pas de décaissement sous à l'époque. Bien longtemps après. Donc, soit par exemple, ça, ok, faut que le Parlement t'a annulé normalement.
Parce que si en 2010, et bien en 2012, pas de aucun dégât. C'est pour avoir des gens à parler. C'est des affaires. Pas venir. Donc, si vous êtes là, parlement écrit, il dit, compte tenu de l'urgence que nous avons, maintenir parlement. Parlement met un coordonnateur pour gérer la personne de Leslie Voltaire pour gérer l'exécution projet. Ok? Oui. C'est parlement qui va bien exécuter le projet. Ensuite, projet parlement particulièrement, c'est un projet Petro-Caribe. Son projet financement, rétrocession de dette FMI, qui lui-même a une supervision UCP, ensemble avec FMI. Donc, pour nous, là, pour film exécution ça particulièrement, ok, les rentrer dans une sorte de package de plusieurs projets qui étaient signés en 2010, que nous venons hériter de lui, plus de trentaine de projets. Donc, le ministère a fait ces mêmes bagarres-là. Ça veut dire que, si vous regardez bien, des comptes que vous avez, sont des comptes qui disent que vous avez une trentaine de projets que vous faites, dans une trentaine de projets, mais des comptes, là, mais des devis estimatifs. Là, de devis estimatifs, combien qui est exécuté, qui c'est 53,85% dans le cas, et mais combien de dettes vous avez pour finir le projet. Donc, dette là, 53 millions de dollars, mais des projets qui font depuis 2010. Depuis 2010. Non, mais c'est ça. Ça, c'est pas résilié. Parce que nous résilier tout contrat, et vous connaissez notre ça, hein? Nous résilier tout contrat qui n'a pas bien avancé le démarrage. Sur. Ok? Tout ça qui est bien avancé. Non. Tout ça qui est bien avancé, vos commissions, qui est la commission Gary Conny, qui fait des recommandations. Nous prenons des recommandations dans le Conseil des ministres, nous voulons le bail pour supérieur des comptes pour avis. Le bail avis, et qui est-ce que tes recommandations ça? Deux bagages. Couper tout contrat qui n'a pas de questions sur vous. Continuer avec tout contrat qui te gagne des questions sur vous. Ce que nous faisons, nous respectons à la lettre. Même il y a une commission qui a été formée par le Sénat de la République. Vous rappelez, cette commission a été dirigée par le sénateur de la torture. L'objectif a été de faire le point sur la dépense de Petro-Caribe. Malheureusement, on essaie de voir qu'est-ce qu'il y a eu dans ce rapport. J'ai pu trouver votre nom comme étant une personne qui a été épinglée par le rapport de l'attentif. Il y a quand même que vous puissiez enlever votre nom d'une part et nous fournir certaines explications de manière à dire au peuple oui, effectivement, on a eu un mandat. Qui dit je peux tout arriver, donc auditionner M. Hébert-Docteur, donc tout est correct. C'est ce que moi, en tant que londonien, je voudrais écrire. Donc c'est maintenant, c'est à vous de pouvoir me permettre d'écrire tout ce qui peut être positif. C'est à ce sujet que vous êtes là. Je suis rentré en Haïti le 26 février. Mais de là-bas étant, j'ai appris que le Premier ministre avait démissionné. Je l'avais appelé parce que c'est moi qui l'avais toujours choisi pour assurer l'intérimat. Ceci m'avait étonné parce que moi, je n'étais pas le premier service président. Mais il l'avait fait. Chaque fois qu'il partait, il ne mettait pas de notes. Il m'appelait au téléphone. Je lui demande toujours d'aviser le président. Et moi, j'assumais l'intérimat. Maintenant, à mon retour, j'ai parlé au Premier ministre et il m'a dit qu'il devait se déplacer. Il devait, parce qu'il voulait démissionner, mais il devait se déplacer. Et peut-être deux ou trois jours après, il n'était pas là. On m'a envoyé, le Palais national m'a envoyé la résolution signée par tous les ministres. Et aussi, ce jour-là, j'avais reçu le payroll de la primature que je devais signer au nom du Premier ministre. À ce moment, j'ai consulté les membres du cabinet, de mon cabinet, j'ai appelé le Palais national pour dire est-ce que je peux signer ce document-là? Parce que, en réalité, est-ce que ça va engager l'État? Parce que l'État était engagé dans le cadre d'un accord. La résolution découle de cet accord-là, c'est parce que et le président, tout le monde était d'accord sur le contenu de la résolution. Le Premier ministre était absent, j'ai signé la résolution. Voilà ce qu'on me reproche dans ce dossier. Vous voyez? Maintenant, il faut dire que moi,
j'ai agi honnêtement. Mais il faut dire aussi que la loi, je ne suis pas avocat, mais la loi ne prévoit rien concernant l'intérimat. C'est le problème. Et je vous apporte un projet d'arrêté qui porte sur l'organisation de l'intérimat en cas d'absence de Premier ministre ou de ministre. Parce que ça arrête le pouvoir de Premier ministre par intérim ou de ministre. Ceci n'est pas défini par la loi. Voilà le problème, voilà ce qu'on nous reproche. Voilà la réalité. Donc la résolution est n'importe quoi. L'essentiel, c'est que ce j'ai appelé. L'intérimat devient presque automatique quand quelqu'un n'est pas là, il est là à la place. Mais délégation de pouvoir, c'est tout à fait différent. Quand je vous délègue, par exemple, si moi je suis obligé de me déplacer, si je suis obligé de me déplacer, donc l'intérimat devient automatique. Il faudra à ma place qu'il y ait quelqu'un qui puisse tenir la séance. Cette personne n'est pas autant autorisée à prendre n'importe quelle décision. Je suis tout à fait d'accord, mais. Problème. Mais donc, c'est pour cette question-là. Oui. Mais malheureusement, vous n'avez pas eu cette délégation pour moi, vous, M. Poli. C'est tout ça le problème. Il m'a jamais. Il m'appelle avant. Il m'appelle au téléphone. C'est moi qui devais demander au Premier ministre d'appeler le président. Parce que. En réalité, ce n'était pas normal. Et puis, qu'est-ce que j'avais à voir dans tout ça? Il m'avait délégué, mais il dit, mais il faut un papier. Il faut... Malheureusement, il n'a pas eu cela. Jamais. J'ai mon mail ici. Il n'a jamais envoyé un courrier pour me dire, c'est vous qui assurez l'intérim. Jamais. Ah, mais... Vous pouvez signer, c'est... Non. Je vous dis. J'ai appelé, je ne voulais pas signer, j'ai consulté le cabinet et j'ai appelé le palais national pour dire est-ce que je peux signer cette réponse. Il dit oui. Mais c'est le palais qui m'a envoyé le document à signer. Non, moi j'ai consulté les gens. Après, vous savez. Puisque le mandat est limité. Quand le Premier ministre se déplace, il désigne un Premier ministre AI. AI voulait dire que pendant mon absence, il a exactement les mêmes pouvoirs que moi. Il désigne, c'est lui qui choisit son AI. C'est pas lui qui choisit. Il ne va pas choisir pour lui. Il n'y a rien d'automatique. Non. En théorie, quand on fait l'arrêté nommant le conseil, le ministre qui sort avant devrait être le ministre qui a la priorité. Dans la réalité, c'est le Premier ministre lui-même qui choisit. Nous, on est le café confiance et Cassien. Parce que quand il choisit un monde, c'est pas seulement choisir un monde. C'est parce que le fait monde en confiance, que le monde, ça, il n'est pas si en parler, il a dit ça, et me faire confiance pour le sien. Si c'est qu'on décide sur un cap pour un jour, si c'est une décision qu'on prend un jour, le Premier ministre a rien qu'à dire. Et c'est mon consulté, Premier ministre. Mais. Bon conseil des ministres qui fait le 30 juin. Le 12 juillet, a signé le document. Le 30 juin, le Premier ministre était là. Le Premier ministre a approuvé la décision. Le 12 juin, le ministre il n'a pas de l'autre, il n'a pas de droit à hésiter. S'il hésite, le patient, ça veut dire pas reconnaître votre Premier ministre. Parce que le Premier ministre était là, les autres décisions. Il n'est pas là, je vais signer. La décision va prendre, je vais signer. La décision prend, jour, réunion de fête là. On est participé dans la réunion. Donc, automatiquement, pour une salle, il y a signé. Maintenant, s'il y a une urgence. Non, c'est lui qui désigne pour une salle. Il écrit, non, il informe le gouvernement que. Pendant mon absence, c'est le ministre Intel qui me remplace. Comme moi, je ne suis pas ministre, je désigne moi-même mon successeur, celui qui me remplace. C'est pas, je désigne mon moi, non. Parce que je désigne mon moi, je ne suis pas ministre. Appelez-moi Michel Sien.
En ce qui me concerne, le document prouve que tout a été fait dans les règles. Parce que j'ai laissé des projets en cours. Les projets étaient en cours et sont toujours en cours. Parce qu'aucun mot ne va résilier. Donc, l'objectif est de rétablir la vérité dans cette enquête. Je suis prêt et toujours prêt, toutes les fois que pour le juge est nécessaire, de répondre à vos invitations pour rétablir les faits et la vérité. Et pour couper court aux accusations non fondées et aux rumeurs qui intoxiquent l'opinion publique et qui accuse des gens sans preuve. Merci. Wow. Pose des questions. Non, bien sûr, je comprends. Vous avez critiqué, vous avez reproché d'abord ce côté de la vie assez pertinent. Il faudrait que je suis là pour pouvoir corriger cette valeur. Absolument. Absolument. Il y en a. C'est une manière de cerner les choses. Bien sûr. Non, je comprends parfaitement. Sûr que vous étiez dans les limites de l'avantage. Toutes les limites. Et qui a su maîtriser les notions de transport. Tout à fait. Lorsque le principe, il fallait avoir la bonne objection. Nous avons avisé. Oui, vous avez tout ça. Nous avons avisé le CNMP. Nous avons eu la signature de la Cour supérieure des comptes pour tous les projets. Nous avons fait les projets dans l'urgence. Et puis d'ailleurs, quel serait l'objectif? À ce niveau, nous sommes à deux étapes. C'est de cerner la première étape de manière à nous permettre de vous libérer. Très bien. Premier rapport. Très bien. C'est ce que nous sommes en train de faire. Très bien. C'est le rapport du Sénat de la République. Rapport à l'aval de l'Assemblée, parce que la commission a été travaillée. Mm-hmm. La commission a été mandatée pour faire son bon travail, travail pour l'Assemblée. Mm-hmm. Ce travail, l'assentiment de l'Assemblée, ce travail est apprécié par l'Assemblée. Mm-hmm. Voilà, c'est la même Assemblée qui est en face de vous, qui essaie de cerner les choses de manière à pouvoir dire le contraire. Mm-hmm. Maintenant, on va poser cette chose s'il y a une erreur. Okay. Bien sûr, quand on va devoir mettre bon, mais il faut bien vérifier les informations. Parce que les informations, on peut les. Mais c'est avec vous, quand même. Bien sûr. Les documents ont été versés à la première commission. Puisque ces documents ont été analysés, étudiés, c'est à partir de ces données que vous pouvez ce rapport. Mm-hmm. C'est votre rapport à vous. Votre rapport, je suis. Maintenant, pour pouvoir écrire le contraire de ce qui a été dit avant, il va falloir que tout ce que vous nous dites aujourd'hui, vous donnez des documents qui vous prouvent le contraire. Bien sûr. Bon, oui, on peut l'avoir fait. Bon. Quand vous dites tout a été respecté, mais quelle est l'accusation exactement? L'accusation, est-ce qu'il y a. Où sont les preuves que les contrats ont été antidatés? Parce que tous les contrats ont une date de signature. Où sont les preuves que ça a été antidaté? Là, vous voulez signer quoi? Non, je vous demande. C'est une mauvaise lecture de la part de la première commission. Absolument. Absolument. C'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire que, et je l'ai prouvé, je l'ai dit, en fait, vous avez un rapport avec vous. Donc, en réalité, si vous me dites qu'il y a antidaté, où sont les preuves? Donc, pour nous, ce qui compte pour nous, c'est pas ce que vous nous dites, c'est ça que nous comptons. Mais donc, je vous donne la possibilité de nous prouver le compte. Très bien. Peut-être que vous avez eu des preuves avant. Les preuves ont été mal analysées. Très bien. Est-ce que vous avez encore d'autres preuves, des preuves, peut-être on aurait. De quelles preuves qu'on parle? Parce que vous. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais eu l'opportunité de discuter. Avec la première commission, non? J'ai discuté avec la première commission. Quand le rapport est sorti, et que le rapport a parlé de contrats antidatés, je n'ai jamais eu l'opportunité de répondre. Vous n'avez pas été auditionné, non? J'ai été auditionné, mais on n'a pas parlé de contrats antidatés. Okay. Vous n'avez pas soumis de preuves avant? Non. Pour votre gestion? C'est la terre. Comment tu as soumis ton preuve alors que je n'ai pas eu l'accusation? Ok. Maintenant, les accusations sont là. Les accusations sont là, notre contrat.
Voilà. On voudrait que vous soyez en mesure de le contrôler. Mais c'est ce que je viens de faire. Pour documents. C'est possible. Vous l'avez dit à travers votre voilà. Il faut nous fournir des documents sur lesquels on est. Et ce rapport, qu'est-ce qu'il y a? C'est le rapport, c'est dans le rapport. Bien sûr, tout est là. Bien sûr. Tout est là. Tout est là concernant les accusations d'antidaté. Vous venez de faire l'exposé et vous nous avez remis ce rapport. Est-ce que ce rapport traduit textuellement tout ce que vous venez de dire là? À 90%. Alors, parce que nous sommes une commission d'enquête, alors c'est une commission d'approfondissement des rapports qui a été déjà rédigé. Et je ne suis pas d'accord quand un responsable d'État est venu par devant une commission sans apporter des preuves. Parce que donc en droit, on dit souvent que les fameux d'après, on peut vous demander. Maintenant, si on a été épinglé par un rapport, et ensuite vous voulez donc sortir du trou dans lequel vous vous trouvez, eh bien, c'est pas à nous de couper le contraire, mais c'est à vous de couper le contraire. Et hier, j'ai été là, ok, et je l'avais dit à madame, madame Boutier. Vous êtes venu ici sans un petit coup de papier. Parce que vous nous apportez ici pas mal de documents, peut-être pour nous convaincre. Et là, je suis d'accord avec vous. Okay? Il faut apporter des preuves. Et c'est ça. Par devant toute commission d'enquête, maintenant, vous devez apporter des preuves palpables, des preuves convaincantes. Maintenant, pour convaincre la commission. Donc, moi, je suis d'accord avec vous. S'il y a tout dans ce document-là, et bien, maintenant, on va l'analyser. Maintenant, et puis, on va délibérer à partir de votre document. Vous êtes disponible à fournir tout document additionnel pour répondre à toutes questions additionnelles. C'est ça. Merci. Non, j'ai donné, j'ai remis. Ah oui, merci. Quand même. Projet machin, c'est comme si le projet a inscrit. Ok. Au premier côté. 15 647 900 et même projet ça a rentré sur 2 220 000 et déguisement fait inscrit dans le carré comptable et c'est 25% d'émission du projet par rapport à la quantité. Deuxièmement, et c'est tout cette ouverture faite par les mêmes féminins. Et nous refaire du droit ni révolution. Pas de défi, ni contrat, pas de résolution. Okay. Travail. Faire mal la cour, il n'y a pas de fête, il n'y a pas de résolution, il n'y a pas de fête. Qui route? Route faire mal. Route. Car il sorti. Non, car il m'a fait mal la cour. Non. Ça a fait depuis 2000. Non. Route ça a dégagé. Et vous faites ton col de l'autre côté. Par exemple, dès que vous êtes sorti dans le café dernier, mais vous faites descendre la montagne noire sans qu'il va être inscrit dans le projet. Avec dit c'est au lieu de faire ça, on fait ça. Sans Ben Amuse, c'est recevoir elle, sans être du pas défini. Pour qui ça? Et on va détailler. Ça veut dire que nous avons reconnu. Pour qui ça, c'est bien à l'aise, je sais quoi. Moi, Jérémy, pas de contrat. C'est ça que nous réalisons. Alors, si c'était mon contrat, bien, ça a un peu.
ça, la BD, nous-mêmes. Et nous disons, c'est la petite dans la radio, peut-être que pour accueillir la démocratie. C'est l'ensemble qui se préoccupe sur ça aujourd'hui. Je suis aimé. Vraiment, après, on a ça, on a parlé à nous dans le département de l'Est, on va le construire sur nous. La première chose que vous devez, moi, je conseillerais d'avoir en tête, ce ne sont pas des moments de conscience. Oui, l'enveloppe est de 15 647 900. Vous avez combien de millions? Alors, vous, moi-même, ou bien le gouvernement. Donc, moi-même, ça me garde tout. Ou bien, ça compte, parce que ça que dépense, ça compte vraiment. C'est que. Il y a 5,814 millions de 30% de marché total là qui dégaissé pendant le gouvernement. Tout reste là, on va dégaisser. Après, mais pour à tout ça, où on est. C'est pour ça que le projet a grimpé. Mais dans le fond, c'est un million de stocks. Il faut regarder combien de dégaissés, il y a activité par rapport au montant de dégaissés. Donc, si vous avez 23% de dégaissés, il faut que l'activité correspond à 23%. Si l'activité correspond à 12%, maintenant, ça, on vit dans des activités positives. Les gens qui viennent après, on n'a pas qu'à décaisser. Il va désormais, oui, non. D'accord. Il faut non. Que les bilans d'activité vous permettent de décaisser. Si nous disons, par exemple, oui. je prends un exemple concret. 10 millions ont été décaissés pour la construction du Parlement. 10 millions. Maintenant, si vous avez un deuxième gouvernement, vous voulez décaisser son deuxième tranche. Il faut qu'il y ait un papier qui prouvait que 10 millions ça a été utilisé. Il faut qu'il y ait X. Mon papa dit 10 millions de caisses par terre. Rien, pas gagné comme bilan d'activité. Et puis au ministre, il y a juste dit qu'on a deuxième tranche pour le caisser. Et puis le caisser. C'est ça qui s'agit. Et il n'y a pas de chance, c'est de la gagne. Et il y a une résolution qui fait ça, c'est-à-dire sous une résolution, donc il y a plus de chance de chance. Et ça, la majorité des projets ne pas respecter les résolutions. C'est possible. One Bouisa? Et pendant cette année, ils font. Non. One Bouisa? Vous dites ça? Ma boy, on nous dit qu'on monte à 24 mois et que vous dites qu'on fait 24 paiements dans une date spécifique. Vous faites le premier paiement. Vous commencez. Ok? Vous commencez. Vous faites le deuxième paiement en retard. Troisième paiement, pas fait du tout. Quatrième paiement, pas fait. Cinquième, qu'est-ce qui va passer? Délai d'exécution à prolonger. Donc, tout le monde a question de. Faut que tous les deux parties respectent l'engagement. Et la plupart des cas, il y a des arriérés. Donc, pour répondre à la question, sénateur de Ngato, c'est tout simple. Okay? C'est tout simple. Pratiquement fini. Donc, total payé à date, 5,722,712,34 centimes. Sous un total de 8 millions. Mais où est-ce fini? Et ça, c'est presque fini. Donc nous avons une sorte de dette qui est beaucoup payée pour du moins 2,3 millions de dollars. Sous lycée. Ok. Donc, route montagne, on a fait mat là. Ok. Son route. Oui, donc en résumé, il y a deux volets dans la route là. Nous devons finir le volet, arriver à faire mat, et puis deuxième volet, le maléa, il fait un rapport, il dit que pour avoir fini, compte tenu de travaux additionnels, il fait sur route là, de drainage. De trottoir et tout et tout, il m'a demandé que faut gagner un avenant qui fait pour arriver à faire les frères. Ça, c'était pour faire maintenant. Ok? Bien content pour conventionnel. Parce que un peu le monde ne comprend pas qui ça allait. Même forme de ça, son contrat qui fait entre la santé publique avec Saint-Bernard-Meuse et la police nationale d'Haïti. Ok? Pour qui ça? Parce que, qui ça a été? Policiers, ok, le par exemple, si vous prenez balle, ou bien si vous faites un accident, ou bien si vous faites un accident à la machine, ok, vous avez des difficultés, vous ne pouvez pas vous aller.
Parce que l'assurance policière n'est pas couvert trauma. Ok? Trauma, si ça dit accident, bah, ça. Donc, et m'a répondu parce que bon, il y a une information, c'est le ministre de l'Éducation qui a une détail d'information sur le détail, parce que c'est l'école de la terre dans ce sens. Mais ils font accord avec cette belle ameuse pour recevoir policiers qui font accident, ou bien qui prennent balle, ou bien qui font mieux prendre balle, ou bien quel que soit le problème de trauma que vous avez, c'est là qu'ils allaient. Ils font accord pour tout policier net capable d'aller là, dans le centre de santé Ben Ameuse. Parce que vous avez des experts, des policiers, des juges, et que c'est un bon bar, et ça dit que vous êtes capable de bénéficier de soins. Ça dépend qui peut. S'ils font accident, oui. Si femmes font accident, oui. S'ils font bar, oui. S'ils viennent pour faire une opération grave, oui. Et là, c'est pour faire un petit peu la lumière sur la question de Bernard. Techniquement, en tant que ministre de la Santé, j'ai été appelé à une rencontre au niveau de la primature, rencontre à laquelle assistait les Bittard, le docteur Bittard, rencontre à laquelle assistait le docteur Bart Green, qui est un étranger mais qui a un écoulon chevronné et qui pratiquement donne une assistance à l'hôpital Bernard-Neuse. Et là, il se plaignait qu'il n'avait pas de subvention et que l'hôpital ne pourrait pas recevoir tous ces cas. Mais étant donné qu'il n'y avait pas d'autre façon de procéder, le premier ministre avait proposé que l'on puisse prendre, parmi les 20 millions aussi, une enveloppe qui pourrait être donnée comme une sorte de subvention. À ce moment-là, je lui ai dit que à mon humble avis, il ne faudrait pas donner aux institutions privées l'idée de subvention, sinon on ne va pas s'en sortir. Donc, il vaudrait mieux coupler cette subvention à un travail bien précis ou un groupe bien précis qui devrait se faire. Et il a passé à la police. Donc, c'est à ce moment-là qu'il y a eu un accord entre eux, alors je le dis parce que ça peut, sans vouloir faire une rectification, mais il y a eu un accord entre le ministère du Plan, Bernard Meuse et la police nationale. Le DG de la police, qui à ce moment-là était le Godson Meuse. Donc je m'étais senti inconfortable d'aller signer un accord avec un directeur général de la police pour des fonds qui, en fait, seront gérés par la planification externe, par le ministère de la planification externe. Donc c'est ainsi que cet accord a été effectivement signé entre le premier ministre, la Brotte, entre Bernard Meuse, qui était représenté par les frères Bittard, et le DG de la police. Ceci a été fait au CSPJ. J'étais là pour prouver ma bonne foi, pour montrer effectivement que je n'étais pas contre, mais c'était une affaire de protocole. Et cet accord, effectivement, a été signé en ma présence. Et si vous voulez, je peux vous montrer. Je ne vais pas vous donner l'accord parce que je ne voulais pas créer. Je crois que... Pourquoi vous dites que vous n'allez pas nous donner l'accord? Non, parce que je ne veux pas être... quelqu'un, je ne sais pas qu'on utilise mon nom, moi je veux finir avec cette affaire. Madame Dubervaz, là on parle de santé. On parle de santé. Si on n'a pas l'accord en main, il y a risque qu'on dise que ceci a été quand même dépensé par votre ministère. Donc si vous essayez de vous démarquer de quelque chose, il faut que nous ayons la possibilité d'avoir les preuves. Non. Que vous soyez pas honorable. Il y a un risque qu'il y a un rapport avec santé, on dira que c'est vous. Honorable. Effectivement, c'est-à-dire que techniquement, tout ce qui a rapport à santé, bah, je vous appelle. Je vais pas me décharger de tout. Comme il faudrait que vous puissiez vous donner la vérité. On est dans le protocole que vous déchargez de cette affaire. Le président, elle manifeste sa bonne volonté parce qu'elle a mentionné qu'elle apporte le document. Voilà. Oui. Maintenant.
Pour le reste, ça va se faire bien facilement aussi, président. Ça, nous voulons savoir comment utiliser ce document. Oui. Non, voilà. Ce que vous nous avez dit clairement, c'est de manière à manifester votre bonne. Oui, vraiment. Le protocole se lit entre les sociétés, le ministère de la Planification et de la Coopération externe, la police nationale et l'hôpital Bernard. Et voilà les signatures. Je vais être vous. Non, je n'ai pas dit ça. Non, après si, puisque ça a à voir l'Assemblée. Non. On devrait avoir la signature du ministre de la Santé. Non, on devrait avoir à ce niveau la signature du ministre de la Santé. Ça se fait, ça se passe directement entre vous. Merci, madame. C'est un protocole d'attente sans montant. Sans montant. Oui, c'est un protocole d'attente. Sans montant. J'ai regardé, j'ai eu le temps. Non, mais on a des questions à vous. Vous avez géré le côté de là. Donc, tu as là, tu as 16. Tu as 16 paiements de fait dans tout. Plus avant le démarrage. Pour avirer. Pour avirer. Et sous. Non, sous moi-même, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien sûr, fait, bien fait en février 2016. Février 2016, bah, comme si, ça va pas prendre, je ne vais rien date exactement en février, mais je ne vais pas prendre si je fais tout. Avant que le ministre, avant que le matériel, avant que le gouvernement. D'abord, la résolution Petro-Caribé, parue au moniteur du jeudi 9 janvier 2014, pour un montant de 28 millions d'euros. Une copie. Vous avez une copie, monsieur? Il faut passer une copie au président. Parce que j'espère pouvoir avancer avec vous, ensemble nous pourrons lire. Bon, on passe. Donc cette première résolution, du 9 janvier 2014, un montant de 28 500 000 dollars américains a été attribué au titre de programme de lutte contre la pauvreté et directement orienté au Fonds d'assistance économique et sociale. Donc copie, vous avez devant vous la résolution aussi. Et vous pouvez voir cette, ce montant à la page 5 de la résolution. Voilà. C'est feutré. Donc, cette résolution étant prise à cette date, ces fonds ont été transférés directement du ministère de la Planification au FAES. Et j'ai avec moi une pièce justificative le prouvant. Le rapport que j'ai reçu du directeur général du FAES à la date du 23 décembre 2014, où il est clairement mentionné à la page 20 que le montant de 28 500 000 dollars américains a été viré en une seule fois par le ministère du Plan au FAES. Donc le ministère des Affaires sociales n'a jamais reçu ce montant. Et cette pièce aussi, je vous donne, vous pouvez prendre lecture. Et c'est pourquoi j'ai voulu apporter non pas des paroles ce matin, mais des preuves. C'est-à-dire que lorsque nous parlons d'un décaissement de 28,5 millions de dollars américains, nous parlons d'un montant qui dépassait largement le budget d'investissement du ministère des Affaires sociales à l'époque. Et deuxièmement, la résolution a été prise en faveur du FAES directement, pas au nom du MAST, transférée au FAES directement, sans passer par le masque. Ça, c'est la preuve. L'idée de la commission, c'est de, un, reprendre ou revoir les différentes recommandations qui étaient faites dans le document de la torture, pas non logique d'emmerdement, pas non logique d'accusation, mais non logique de confrontation et de recherche de la vérité. Qui a des positions par devant nous, par nous des éléments et des pistes à partir desquelles moi-même, au sein de l'Assemblée des sénateurs, je suis capable au moins d'arrêter conviction. Donc, pour chaque sénateur est capable de librement arrêter conviction à partir d'un rapport éclairé et avisé de la prestigieuse commission qui l'a eu et où les honorables sénateurs, membres de cette commission, eh bien, gagnent samedi carré. Aval Assemblée et crédit sans faillite Assemblée dans recommandation et conclusion de la Cour. Nous prenons acte de toutes les positions sérieuses et de tenir encore une fois à féliciter
les honorables sénateurs, particulièrement le président Beaublanc, pour sa droiture. Et il faudrait que tôt ou tard, la vérité jaillisse. Comme vérité à clair et pour tout le monde, dans l'intime conviction capable de parler. Encore une fois. Donc en gros, donc. Vous avez été appelé à juger le ministère. C'est ça. C'est l'État d'une manière générale. Nous avons été votre pouvoir de contrôle. C'est ça. Nous avons tenté de faire notre travail. Malheureusement, on n'a pas eu la chance de conclure, puisque le peuple nous demande encore des explications. Très bien. Donc à la place des dirigeants, des personnalités, à savoir les ministres, que vous ne saurez pas les remplacer. Que ce soit eux-mêmes qui viennent donner l'explication et à partir de l'explication, on pourra transmettre cette information qui a exigé. C'est pourquoi vous êtes là ce matin, puisque vous avez été à la tête du ministère du Tourisme. Donc, beaucoup d'agents ont été engagés par votre ministère, peut-être conclure des marchés, faire des projets. Donc, si tout s'était passé comme prévu, peut-être que vous ne seriez pas là ce matin pour vous donner d'autres explications. Les gens disent qu'il y a eu des dépenses, mais malheureusement, pour ce qui a trait à des projets physiques, des choses concrètes qui pourraient quand même permettre à Haïti de sortir, ce n'est pas du carcan où notre pays se trouve dans très longtemps. Malheureusement, on n'a pas constaté cette point. On a été mandaté par le Sénat à faire la lumière sur les dépenses relatives du trou qui est arrivé. Donc, nous ne sommes pas les instigateurs de ce mouvement. Ceci a été déjà diligenté par une première commission dirigée par le sénateur Yuri Latortu. Mais cette commission a eu peut-être l'appréciation de l'Assemblée. Mais quand même, il fallait continuer à enquêter, puisque peut-être sans quoi dire. Le peuple exige que toute vérité soit dite sur cette question. Donc, voilà, en gros, ce qui nous a animés, ce qui nous a poussé ce matin à vous inviter. Donc, ce n'est pas dans notre intérêt de vous inviter juste à vous faire perdre du temps. Et nous sommes mandatés par un peuple qui exige des explications. C'est à ce titre que vous êtes là. Donc, nous sommes 4 sénateurs, 3 de la commission, et puis madame Dieudonne, sénateur Nenel, membre de la commission, sénateur Onondieu, sénateur Beaublanc, qui préside la séance ce matin. Madame Dieudonne, qui voudrait quand même donner sa solidarité, puisque c'est une femme qu'on a invitée. Elle voulait être sûre, par sa sensibilité pour les femmes, que tout se passe bien avec la femme qui est invitée. C'est pourquoi elle est là. Là, juste pour pouvoir nous servir de témoin que tout se passera bien avec Madame Dieudonne. Je suis plutôt la présidente pour vous apporter de l'énergie parce que depuis ce matin, vous êtes en train de travailler, donc il vous faut une femme à côté de vous pour redoubler d'énergie. C'est toute une équipe qui nous accompagne parce que vous n'êtes pas les seuls à délibérer sur la question. Il y a quand même des experts. C'est ça. Juste pour guider. Bienvenue. Je voudrais passer la parole au membre de la commission de manière. Donc, c'est la première question. Oui. Oui. Okay. Pour ces mots d'allocution. Et je remercie les autres sénateurs qui sont ici présents, membres de cette commission, et les autres sénateurs présents qui accompagnent cette commission. Effectivement, et je suis ici aujourd'hui pour partager avec vous et les membres de cette commission et des informations clés sur des projets qui ont été exécutés par le ministère du Tourisme au cours de mon mandat comme ministre. Donc, j'étais ministre du Tourisme de août 2011 à mars 2016. Donc, les projets touristiques qui ont été exécutés, surtout par les fonds de Petro-Caribé, vu que cette commission se penche surtout pour élaborer, tout, pour regarder et travailler surtout sur les projets qui ont été financés par les fonds de Petro-Caribé. Donc effectivement, le ministère du Tourisme a eu, et si je peux dire, deux et grands projets qui ont été exécutés à travers ces fonds, dont l'un d'eux, c'est la destination touristique de Jacmel. Effectivement, je disais tantôt qu'il y a eu le premier projet qui est la rénovation urbaine et de Jacmel, qui était sur deux résolutions. Donc j'avais pris note de ces dernières. Donc, on parle de la résolution du 28 février 2012 pour un montant de 20 millions
et on parle de la résolution du 21 décembre 2012 pour un montant de 8 millions. Mais je dois dire qu'il y a eu 6,2 millions qui ont été désaffectés dans la résolution du 15 avril. Donc on parle d'une enveloppe d'à peu près 21 740 000. Et donc de ce montant, il y a plusieurs projets qui ont été élaborés. Je disais tantôt qu'il ne faut pas oublier que le secteur, c'est un secteur transversal. Donc il y a plusieurs ministères qui sont impliqués, dont TPTC, dont Planification, et le ministère du Tourisme également. Et donc il y a plusieurs projets qui ont été exécutés à partir de ces fonds. Donc, façon de dire que l'argent pour tous ces projets ont été décaissés à partir du ministère du Tourisme. Négatif. Mais comment ça s'explique que vous ayez des projets relatifs à la construction de centres sportifs? Non, je n'ai pas des projets, c'est une liste de projets. Donc je n'ai pas des projets moi-même. Donc comme on parle d'un montant qui avait été décaissé, dans ce montant, il y a une allocation pour le ministère du Tourisme. Je voulais faire lumière sur des projets. Le montant, madame Stéphanie, pour le ministère des Sports devrait être transféré au ministère des Sports. Oui. Comment se fait-il que vous ayez ce montant? Non, je vais vous expliquer, sénateur. Je n'ai pas le montant qui a été alloué pour les centres sportifs. Il y a un montant global de rénovation urbaine de Jacmel, où est-ce qu'il y a eu plusieurs projets qui ont été élaborés, où le ministère du Tourisme a reçu un transfert que je vais vous expliquer là maintenant avec les points. Donc j'ai voulu faire la lumière sur un ensemble de projets qui ont eu lieu parce que quand même c'est une action gouvernementale. Bon. Nous sommes là juste pour faire la lumière sur les dépenses. Donc, c'est ça, il y a eu peut-être De donner une autre image à Haïti, on le comprend. Le peuple voudrait savoir, face à tout ça, combien ont été dépensés suivant les prescrits de la loi. Très bien. Donc, je viens de mentionner pour Jacmel. Et l'autre projet qu'on a mentionné au niveau du Pétro-Caribé, qu'on avait alloué des fonds au ministère, c'est pour la destination touristique de Île-la-Vache. Donc, pour cette destination touristique-là, il y a eu deux résolutions. La résolution du 21 septembre 2012 et la résolution du 11 décembre 2013. C'est, non, qui donne le montant de 18,2 millions de dollars. Ça, c'est pour Île-la-Vache. Okay? Dans ces montants, dans ces 18,2, il y a eu uniquement un montant de... Il y a eu un montant complet pour le ministère du Tourisme de 8 192 000 dollars américains ou 369 millions de gourdes. Le reste du montant, la balance, a été désaffectée par les résolutions, par une résolution. Donc, pour le projet de Île-la-Vache, on a reçu 8,9 millions de dollars, soit 969 millions de gourdes. Donc, il y a eu plus de 10 millions qui ont été désaffectés du projet global de Île-la-Vache par et une résolution. Au transfert, comme d'habitude, devrait transiter par le ministère des Finances. Hein, oui, c'est bien ça. Vous n'avez jamais eu de transfert direct du BMPA à votre ministère, non? Si vous parlez quelque part, j'ai trouvé un transfert direct du BMPA vers le tourisme. Peut-être. Avis, c'est une régularité. Parce que ça devrait passer par le ministère des Finances. Pourquoi, selon toi? Est-ce que c'est à la base de ça? Parce que le ministère des Finances n'a pas pu contrôler si le transfert était un transfert direct. Parce qu'habituellement, ça se passe comme ça. Donc, résolution, les projets, résolution, c'est le ministère des Finances qui donne l'ordre de l'équipement. C'est des procédures financières. N'oubliez pas que nous-mêmes, on est un ministère, une entité qui recevons des fonds pour élaborer des projets qui sont listés dans un budget. Mais ça devrait en principe passer par, devrait être transité par les finances. On peut avoir un contrôle des dépenses de l'État. Mais je suis sûr. Bon, il y avait les comptables publics qui étaient représentants du ministère des Finances dans tous les ministères. Et c'est sûr qu'il y a des rapports et de annuels et financiers qui sont remis. Je ne saurais et m'aventurer. Je ne saurais. Non, monsieur le sénateur, n'oubliez pas que. On est au niveau ministériel, on met la politique en place, mais il y a une administration. Il y a des comptables publics, il y a une administration complète qui est là. Maintenant, est-ce que j'ai un point spécifique sur ça? Et je ne peux pas vous donner une réponse précise, comme je le disais tantôt. Et ça fait un an et demi que je ne suis plus à la tête de ce ministère. Et
Et j'essaie tant bien que mal de venir avec une idée globale de ce qui avait été fait et comment que ça avait été fait. Certaines choses, mais je n'ai pas ça de tête là maintenant. Vous pensez qu'on aurait pu vous transférer un montant sans avoir votre consentement préalable, madame Stéphanie? Donc parce que bon, les montants ne sont pas... n'a pas relation directe avec l'administration, il faut quand même qu'on puisse avoir un consentement avec le ministre concerné. Mais, monsieur le sénateur, je vous explique encore, c'est un budget qui a été voté. Donc c'est sûr que le budget, il faut avoir un déviement qui se font sur ce budget pour exécuter les projets. Donc, peut-être que vous n'avez pas maîtrisé les procédures. Je ne veux pas dire que je n'ai pas maîtrisé directement. Utilisez votre sagesse pour faire un transfert direct de BEMBAN au tourisme, parce que ça ne devrait pas faire ici. Encore, je vous explique, il y a une administration financière. Ça vous dire, vous avez péché, ça. C'est trop fort de le dire. Monsieur le Président. Oui. Et Mme Villedouin, ce que la Commission cherche à bien comprendre, est-ce que tu te rappelles avoir reçu des montants ou un montant spécifique sur le ministère du Tourisme, sur le compte du ministère du Tourisme à partir de BMPA? Moi, je vais dire, madame le sénateur, que je me rappelle maintenant, non. Parce que, c'est-à-dire que maintenant, je parle avec vous, vous me posez la question directement et je vous dis tout sincèrement que je me rappelle, non. Donc, ceci dit, il ne faut pas oublier que j'étais là de 2011 à 2016. J'ai fait 5 années à la tête du ministère. Et donc, il y a eu plusieurs et budgets votés. Qui a eu plusieurs projets et réalisés. Donc, maintenant là que je vous parle, en toute sincérité, je ne peux pas vous le dire, monsieur le sénateur. Oh. Là, à peu près. Je pourrais vous donner les chiffres. C'est ça que je n'ai pas ça en tête là. À votre avis, c'était bien passé, madame Stéphanie, de loin. Pour monsieur le sénateur. Un moyen de trouver les documents pour qu'on puisse avoir les les montants ont été dépensés. Vous n'avez pas les documents avec vous, malheureusement. Monsieur le sénateur, ces documents-là sont... Je ne saurais avoir ces documents avec moi. Ce sont des documents, c'est des documents d'État. Mais il y a des... Je ne suis plus ministre depuis un an et demi. Il y a des ministres qui viennent avec leurs documents, leurs copies des documents. Quand vous signez les documents, il faudrait quand même... Oui, mais encore une fois, monsieur le sénateur, c'est pas une rubrique, un projet, c'est un ensemble de projets. Donc, je vous informe encore que tous ces documents-là sont au sein du ministère du Tourisme. Ok. Vous pouvez. Président, je vous Mme Vildo, il serait bon pour que la commission ait la documentation de tout ce que tu viens de dire, et même s'il le faut, avoir des photos des projets qui ont été réalisés. Très bien, très bien. Parce qu'on est en train de travailler pour approfondir un rapport qui dit des choses. Maintenant, si vous nous apportez des éléments d'information sur lesquels on peut encore se baser pour approfondir notre recherche, très ça bien. Peut mais moi, renforcer c'est ce que j'appelle le... Mémoire. Ok, oui. Très bien. Vous allez, vous mémoire. Très bien. Le fond. Que ça va être fait, monsieur le sénateur. Bonsoir, madame. Je ne sais pas si vous avez été invité, pas la première commission, mais quand même, quand on regarde les projets, on regarde les résolutions, à notre avis, il mérite quand même que vous soyez là, comme les autres, de manière à faire la lumière sur. Différentes résolutions qui ont été prises en conseil des ministres durant votre passage à la tête du ministère de la Santé, quelle enveloppe a été allouée à votre ministère, quels ont été les projets exécutés à partir de l'enveloppe qui a été allouée, est-ce que ces projets ont respecté les prescrits de la loi de passation de marché. C'est pourquoi nous avons aidé. Et ensuite, à vous entendre sur votre expérience en tant que la santé, c'est une expérience macabre. En dépit du fait que vous avez quand même exécuté des projets, est-ce que aujourd'hui vous avez cette possibilité de vous ranger, de dire que tout s'est bien passé, quand vous avez peut-être laissé la santé avec la tête bonne. Je vous remercie.
il y a eu plein de choses à réaliser, vous n'avez pas pu réaliser à partir de l'ensemble de contraintes. Donc, nous sommes là, contents. C'est la commission spéciale d'enquête qui est responsable de cette activité, de choisir les fonctionnaires de l'État. Donc, moi, je préside cette commission. À côté de moi, il y a le sénateur Nadel. Il y a une femme qui nous accompagne, c'est de manière à donner de l'énergie. D'abord, nous recevons une femme là, en cours. Merci encore. Je vous remercie de l'invitation, cher commissionnaire, et également, je salue les consultants qui nous accompagnent. Durant tout mon passage au ministère de la Santé publique, j'ai toujours répondu à toutes les invitations du Parlement, que ce soit du Sénat, que ce soit de la Chambre des députés. Je suis très branchée des éditions des points et je crois que c'est un devoir de venir et de... Et j'espère finalement que ce sera peut-être la dernière fois que je vienne. Vous avez été la dernière fois? Oui. J'avais été invité la dernière fois, et la dernière fois, en fait, il avait semblé qu'il n'y avait pas grand-chose à me reprocher. Et le rapport faisait état de préférence d'un contrat, d'un renouvellement de contrat pour une résidence à Cercacabal, où était logée la coopération cubaine au niveau de cette commune. Et ce contrat avait été renouvelé à la mi-année 2000, j'ai avec moi les documents, je peux toujours les montrer, à la mi-année 2014-2015, un renouvellement des contrats antérieurs. Ce qui était arrivé, pour une raison quelconque, ce contrat a été brandi par un membre de la commission en fin de session. Pour dire, même si on reconnaît qu'on n'a pas grand chose à vous reprocher, mais vous avez signé un contrat avec un mort. Je lui ai dit oui. J'ai su que le patient, l'employé était décédé, c'est vrai. Mais les Cubains habitant la maison, c'était un renouvellement de contrat. J'ai vu l'acte religieux de mariage de cette femme. J'ai vu les bordereaux de funérailles au nom de cette femme. Donc pour moi, il était évident que, étant donné que nous étions en avril, qu'au moins pour cet exercice, que l'on puisse récupérer et payer la famille ce qui lui est dû. Il m'a dit, est-ce que vous ne savez pas que... Et je lui ai dit, d'autant plus qu'ils ont un enfant, parce que moi, je savais que la femme avait un enfant. Il m'a dit, non, est-ce que vous ne savez pas que c'est un enfant qui est né de prêtre? Je m'excuse de vous dire, mais c'est la réalité. Je relate exactement les faits tels qu'ils se sont passés. Toutefois, ce que je peux vous dire qu'il y a eu une résolution qui a été prise, qui était mentionnée, réhabilitation des hôpitaux, ou construction des hôpitaux, je m'en souviens plus ça parce que ça fait quelques temps. Et c'est cette seule résolution qui a été prise en ce qui concerne le ministère de la Santé publique. Maintenant, quand je dis le ministère de la Santé publique, ça ne veut pas dire que tous les autres montants qui ont été décaissés pour le compte de la santé aient été sous la responsabilité directe du ministère de la Santé. Pour les 20 millions de dollars, il y avait effectivement l'hôpital de... Il y avait deux hôpitaux. Il y avait l'hôpital de Simbi. Au début, Simbi, si on se rappelle bien, c'était un camp de déplacés. Ceci a été attribué à une firme et il en est de même que l'hôpital de Bon Repos, mais pour éviter qu'il y ait une confusion avec l'hôpital de Bon Repos qui avait été donné avec les dons du Brésil, cet hôpital-là, c'est l'hôpital ancien Michel Bennett. Donc c'était pratiquement ces deux hôpitaux pour lesquels il y avait une conclusion ferme. Mais comme on voulait aussi penser aux équipements, on voulait penser aussi au personnel qui devait aller au niveau de ces deux hôpitaux, l'enveloppe a été élargie à 20 millions de dollars. Par exemple, moi j'ai devant moi plusieurs résolutions relatives à la santé. Là, vous nous parlez d'une seule résolution. Mais moi, quand il s'agit de santé, là, je me vois avec vous. C'est avec vous que je vois régler cette affaire. Mais je vois qu'il y a eu une première résolution pour laquelle il y a eu, on avait dépensé 8 millions. Les 8 millions ont été transférés totalement.
une deuxième résolution, de 20 millions. Vous parlez des 20 millions. Oui. Il y a une troisième résolution relative à des dépenses pour un centre de traumatologie. De 7 millions qui ont été transférés. Ensuite, il y a eu une autre résolution au cours de laquelle il y a eu 3 millions. Ces 3 millions n'ont pas été transférés. Là, c'est de ça qu'il s'agit. Bon, en tout cas, moi je vous dis ce que je sais. Donc là, deux. Moi, je vous dis ce que je sais. Nous autres, nous voulons des documents qui puissent nous permettre de faire la lumière sur ces quatre résolutions. S'il y a une résolution de 8 millions, là, vous pouvez vous débarquer de cette résolution, moyennant que vous nous disiez. Voilà, sénateur, effectivement, c'est relatif à la santé, mais voilà comment ça se passait. Oui. C'est X, non, mais c'est pour ça que je vous parle. Moi, voilà, le protocole est là. Pour vous dire vrai, le protocole est là. Voilà le protocole. Je vais le protocole. Mais là, moi, si après que 20 millions, voilà ce qui. Voilà comment ces 20 millions ont été dispatchés. On a 100 millions pour tel projet, tel autre. Il faudrait qu'on puisse cerner les choses. Sans quoi, il y a un risque qu'on vous appelle à nouveau pour éclaircir l'ensemble des choses. Non, les 20 millions, sur les 20 millions de dollars. De mon rapport de dépenses, je sais que j'ai laissé 9 millions et quelque chose de dollars sur la balance. Oui. Ces 11 millions ont été dépensés parce que là-dedans, on a payé l'accord de Bernanuse. On a aussi versé. Oui, l'accord de partenariat que je viens de parler. Ça, c'est un document de BMBAN. Nous n'avons rien. De BMBAN. Voilà, c'est la rubrique santé. L'habitation, l'hôpital, des choses comme ça. Ok, là, on est construction et habitation. Donc, 20 millions. 20 millions, transfert. 20 millions, pourcentage transféré 100%. Ça. Voilà. Ah, où est-ce que ça a été transféré? Le ministère des Finances? Non, je demande. La santé. L'ex-ministre a dit quelque chose en commençant. Elle a dit il y a des choses qui ont été pour la santé. Mais sans vraiment être sur le compte du ministère de la Santé. Oui. Elle a dit ça. Je l'ai dit déjà. Elle vient de dire ça. Je viens de le maintenant, dire. Elle doit nous donner des explications. La procédure exige qu'on sélectionne les projets. Quand on sélectionne le projet, il faut quand même qu'on puisse attribuer à chaque projet un montant. Maintenant, s'il y a ce montant disponible sur le BEMPAT, la responsabilité du BEMPAT, c'est de transférer le montant exigé par le ministère de la Finance. Il y a un effet. On a identifié des projets pour un montant de 20 millions. La requête a été transférée au BEMPAT. Puisqu'il y a eu disponibilité, BEMPAT a transféré les 20 millions de dollars ont été transférés. Transférés au ministère des Finances, probablement ont été au ministère de la Santé. Mais pour le compte de la santé. Oui. Pour le compte de la santé. Non, je n'en dis pas. Vous avez sélectionné vos projets. Et vous avez mis un montant sur chaque projet et le montant global donne 20 millions. Vous avez sélectionné vos projets et à partir de ces projets, vous avez sollicité 20 millions. C'est 20 millions de financiers. Maintenant, s'il y a 11 millions, 9 millions, on est bloqué où? On va maintenant, c'est à au début, je m'avais demandé quelle leçon j'aurais tiré de cette expérience. Je dirais que ça a été une très mauvaise expérience. J'ai payé ma douze, comme on dit en anglais. J'ai servi mon pays. Je continuerai à travailler autrement pour mon pays, mais l'État jamais. Merci. 2 millions. Merci tout d'abord au président de la commission, sénateur Nézé Kassi, et les membres qui vous accompagnent pour l'invitation et l'opportunité de ce matin qui nous est offert de revenir sur une période qui a été extrêmement riche en termes d'expérience de mon passage à la tête du ministère des Affaires sociales et du travail durant la période comprise entre le 24 janvier 2013 et le 19 janvier 2015. Donc notre jour pourrait voir que nous avons été à cheval sur l'exercice 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015. Deuxième résolution,
paru au Moniteur du jeudi 24 juillet 2014 pour une valeur de 15 millions de dollars américains. C'est pour moi. À la page 3, au numéro 27, programme de lutte contre la pauvreté extrême et exclusion sociale, ministère des Affaires sociales et du Travail, 15 millions de dollars. 15 millions de dollars américains. Je vais revenir là-dessus. Mettez-le à vous. Maintenant, revenons à la résolution du jeudi 24 juillet 2014. Deux décaissements pour nous, d'après ce que nous avons retracé, ont été effectués. Un premier décaissement, le 20 octobre 2014, d'une valeur de 124 816 144 gourdes, a été attribué, viré sur le compte du ministère des Affaires sociales pour transfert à l'OFATMA. Et ce transfert à l'OFATMA a été fait le 27 octobre 2014. Donc, j'avais écrit à l'époque au ministre de la Planification le 14 août 2014, où j'avais demandé au ministre, moi en tant que ministre des Affaires sociales, le ministère des Affaires sociales et du Travail s'empresse de vous demander de passer les instructions aux directions et services concernés en vue de mettre en œuvre les mécanismes et procédures requis pour faciliter le décaissement de ce montant en faveur de l'Office d'assurance accident de travail, maladie et maternité, OFATMA, dans le cadre de l'exécution du budget en cours. Je suis encore vous. Une lettre de réception du directeur général de l'OFATMA, le 30 octobre 2014, qui écrit au ministre des Affaires sociales. Monsieur le ministre, la direction générale de l'OFATMA présente ses compliments et en référence à sa lettre des 30 du 23 octobre dernier, vous remercie de l'attention avec laquelle vous avez eu à considérer sa requête. En effet, les 124 816 144 gourdes ont été versées sur le compte numéro 13 16 10 282 qui porte le nom d'assurance maladie. Donc, ce fut l'accusé réception de l'OFATMA qui avait reçu ces fonds. Et donc, preuve, j'ai apporté ce matin. Nous parlons des 124 millions. Octobre 2014. Deuxième décaissement sur les 15 millions. C'est ça? Oui. Le Fatma qui a exécuté le contrat. Non, ça veut dire que le Fatma était en processus de contractualisation avec une firme qu'on appelle Assuria, qui fait partie du projet. De la FIOP qui avait été transmise au ministère de la Planification. Justement, je termine avec vous. C'est-à-dire que ce processus a été finalisé par la CNMP et la Cour supérieure des comptes, et le FATMA avait pour obligation, vu le financement Fonds Petro-Caribé pour ce projet, de faire la finalisation. Je n'ai pas eu le temps de recevoir le rapport de suivi, puisque je suis parti 2 à 3 mois après, à la tête du ministère. Donc, pour le suivi de ce projet, il faut voir le FATMA. Nous avons financer la requête de l'OFATMA et que nous avons transmis dans le budget et que le gouvernement avait accepté de financer. Et c'est l'OFATMA qui a passé le marché. Appel d'offres et sanctionné par la CNMP et la Cour supérieure des comptes. De ce que moi je me rappelle, de ce que j'avais reçu comme rapport, que je n'ai pas apporté ici. Ce que j'ai voulu apporter ici, par contre, ça a été que nous avons effectué des démarches pour l'OFATMA. Il y a eu décaissement à telle date, il y a eu transfert de fonds à telle autre date, et que l'OFATMA a accusé d'avoir reçu ces fonds. Maintenant, je suis parti à la tête du ministère sans avoir eu le temps de recevoir un rapport de suivi là-dessus. Donc, pour des informations liées à l'utilisation, je ne peux pas vous éclairer davantage là-dessus, puisque ces fonds n'ont pas été gérés par le ministère des Affaires sociales. Vous avez transféré la vie sans la question des marchés avait déjà été faite. Et par la Cour des comptes et par la CNM. Et l'institution bénéficiaire qui avait réussi à avoir ce marché s'appelle Assuria. Conforme. Vous pouvez vérifier avec le FATMA. On va marketer sous toute administration. On va marketer du balai général sur le budget à l'État. On va marketer sous support que le budget a joint à partir du fonds et les pétro-caribes. Résolution pour débloquer le fonds à eux, le conseil des ministres. Le principe là exige que le ministère sectoriel ou le directeur ait porté le projet. Au niveau FATMA, déjà, il y a un petit problème. C'est le directeur qui va soumettre le projet. Normalement, il y a un montant de 500 millions.
C'est vous-même qui soumettez le projet au ministre de tutelle. Vous dites mais qui projet qu'on gagne avec mon temps, que vous trouvez que vous jamais été. Si le ministre, il y a plusieurs institutions qui dépendent de lui, il prend un ensemble de projets qui soutiennent les différentes institutions, ils font global. Ok? Ils font global. Ils font global. Mais pour faire global, ils soumettent le projet pour le ministère sectoriel, il y a des sociales. Il dit au Fatma, tout ça qui est rapport à la sociale en donne. Mais dans le conseil des ministres, ils regardent ensemble. Enveloppe ministère, ils font global général. Si l'État va les commander, planification, garder faisabilité projet ça. Si on fait ça, mais dans planification, ils font étude de projet ça. Est-ce que le financement demandé à l'normal est correct? C'est alors ils demandent institution qui est BMBAD. Est-ce qu'ils font ça? Faut ça sortir dans BMBAD là dans finance. Finance garder affaires sociales qui demande de faire. Il transfère comme ça sous compte affaires sociales. Affaires sociales garder au FACMA qui est dans combien d'argent que vous demandez, il transfère comme ça par où? Parce que moi j'ai un document côté monsieur Kual. Un virement côté le déposé. Parce que nous encore une fois, il y a un souvenir que le produit on demande. C'est-à-dire que pour moi, définitivement, le projet A, c'est un projet qui était engagé bien avant. Maintenant, Jean-Marc Mabodouni encore, en conseil des ministres, là encore, ce n'est pas moi qui t'ai allé dans le soutenu projet. Oui, je comprends. Non, on aurait pu demander. Je n'étais pas document dessus. Non, je n'étais pas. Oui. Non, parce que pour eux, il faut que je me documente derrière là, côté que le projet ça a déjà existé. Oui. Parce que pour on est qui type de projet, qui s'arrête dans la clause, tout le bagage dans le projet là, on est oublié. Non, le document de projet, assurance maladie, existe. Il faut essayer de cerner le projet assurance maladie qui s'arrête dans. Est-ce que les réparations d'hôpital en dans, ou du moins on l'autre. Budget au FATMA, puisque FATMA a fonctionné en dehors de ce genre, qui n'a rien s'intéressé par l'hôpital. Parce que dans les dépenses, si nous pas arriver dans le cahier comptable, nous jouons qu'on a l'autre corps pour réparer l'hôpital, ça me fait duplication. Mais nous allons exiger nous pour justifier comme ça avec nous. Ou c'est au FATMA, avant projet assurance maladie, ou c'est au FATMA. Au FATMA, il y a l'hôpital qui a la charge du FATMA. On ne compte pas, bien sûr. Qui t'a dû réparer l'hôpital. Oui. Maintenant, nous besoin de serrer les projets assurance maladie qui s'accordent. Ça m'a baissé, ça m'a baissé, c'est tout, c'est que... On a besoin de nouveau budget de fonctionnement. On fait pas un fragment pendant les gueules fonctionnelles. Donc, pour les 124 millions, les budgets fonctionnent. Non, on a déjà pour les 124 millions. Ça a été ça, nous mais nous avons besoin de comment le ministère a tout et au FATMA de dépenser le budget par là. Parce que le budget parle dans le budget de l'hôpital. C'est une maison où on a dépensé à l'hôpital. Ça me donne à préciser, c'est que au FATMA n'est pas capable, sans un rapport externe, de faire pareil que le faire là. Donc c'est ça me donne comprendre. L'argent ça vini vraiment parce que pour au FATMA par exemple, tu as équipé l'hôpital là, impossible. Même bagage c'est impossible. Dans temps ça, parce que le bagage fait non, tu as qu'à faire progressivement. Mais pour le faire d'un coup, j'en le fais là, il pas d'app faire. Garder côté contradiction et pour personne pas dit vous faire 10 à 10. Non, ça vraiment dans la même. Pas de film dans nous, faut nous étendre nous-mêmes, en tant que ça mérite, ça fonctionne à la tête. Oui. Tout ça mérite pour justifier, il faut essayer de justifier. Non, c'est ça, mais dans un petit point d'interrogation. Il faut que nous tiens à ce que chaque monde songe et rappeler qui ça va dire. Oui. Nous notons pour nous que si pas de requête, le fait que jusqu'à ce qu'on pouvait noter nos requêtes, nous ne pas.
pour le programme ça, nous noter que vous dites qu'il va nous faire, jusqu'à ce que vous document qui prouve que des requêtes adressées au ministère des Affaires sociales. Nous noter que l'agence ça utilisé en partie à d'autres fins parce qu'il n'y a pas de structure pour entrer directement dans le programme. Oui. Ou réparation, ou tout ça, des choses comme ça. Non. En effet, voilà. Nous allons regarder la mise en place là, nous allons regarder la rubrique là. Non, c'est Tim a fait changer ça, nous noter pour lui. Ok, ça veut dire que c'est bien pour vous. Nous allons regarder dans le budget là, est-ce que pas de l'autre rubrique qui a lieu à même activité ça. Nous noter pour que. Appel d'offres, ce sont appels d'offres internationales. Vu que ce n'est pas vous-même qui êtes initié, qui sont appels d'offres, c'est le ministère de la façon ça. Qui est notre position. En effet, c'est ça, nous essayons de noter, jusqu'à ce qu'on prenne nos documents pour prouver toutes sorties, ou du moins si qu'il y a des documentations qui ont été utilisées pour trouver qui méritent de rejeter, il y a un autre document qui corrigeait sa côté. En gros, nous sommes de long. Merci. Deuxième déquissement. Décembre 2014. Le 11 décembre, pour être plus précis, nous avons reçu un virement de 380 millions d'euros. Et transféré le 16 décembre 2014 sur la base d'un protocole d'accord signé entre le MAST et le FAES qui exécutait des projets à titre de maître d'ouvrage pour le ministère des Affaires sociales, et dont j'ai apporté la copie de ce protocole d'accord. Ce protocole d'accord a été signé le 1er octobre 2014 avec un budget de 600 millions de gourdes pour l'exécution de ces projets pendant un an. Sur la base de cet accord, lors du transfert de ces 380 millions de gourdes, j'ai apporté pour vous la copie du chèque et de l'ordonnance d'un transfert de 190 millions de gourdes que nous avons transmis au FAES le 16 décembre. Vous avez transféré ? La balance. Et voilà. C'est ça. Vous allez voir la date. 190 millions de gourdes en fonction du protocole d'accord qui avait été signé entre le MAST et le FAES, paraffé par le ministre de tutelle du FAES, le ministre de l'économie et des finances, Marie-Carmel Jean-Marie, à l'époque. Donc, copie est adjointe aussi à cette pièce justificative. C'est ça. Vous avez la copie aussi derrière. Si vous continuez à lire, vous allez tomber automatiquement sur le protocole d'accord. Vous parlez de décaissement avant. Tout à fait. Parce que s'il y a eu d'autres décaissements qui ont été effectués sur la base de ce protocole d'accord, ceci ne pouvait être fait que dans le seul cas où le FAES avait donné justement les pièces justificatives satisfaisant le ministère par rapport à l'exécution de ce projet. Non, je suis parti un mois après. Je suis parti le 19 janvier 2020. Les dépenses ont été effectuées, l'argent a été décaissé. Et finalement, la population se plaît de n'avoir pas les résultats escomptés. Donc, c'est à ce titre que nous sommes là ce soir, puisque nous sommes mandatés par la population à faire la lumière sur la situation, sur une idéologie différente, comme vous savez exactement. Nous sommes là pour vous écouter, puisque vous avez été ministre des Affaires de déclassés, puisque vous avez été ministre de la planification. On pensait que la responsabilité était collégiale. Donc que la responsabilité est personnelle. Nous avons entendu les ministres des Finances, donc ils nous ont fait comprendre que c'est les ministères sectoriels qui ont sélectionné leur propre projet. Je pensais que c'était en fonction de la priorité de chaque gouvernement que les projets ont été sélectionnés. Finalement, donc on a pu comprendre qu'il fallait mettre l'accent sur deux ministères de manière à pouvoir éclairer la lanterne de nos population, la population de nos départements respectifs, puisque la grande majorité des projets que nous avons vus dans Petro-Caribé émanent de votre ministère des GPTC, parce qu'on voit infrastructure, et au niveau de la planification, c'est là où on fait les sélections
Il y a toute une équipe qui étudie les projets et leur faisabilité. Et toute étude pour pouvoir être acceptée par le ministère des Finances doit être effectuée ou faite par la planification. Si la planification est ce carrefour dont nous n'avons pas imaginé, il fallait quand même que vous soyez là. Où se trouve effectivement la vérité est là. Quel niveau chez vous, au ministère des Finances, est-ce qu'il vous est vraiment effectivement la responsabilité qu'on vous a donnée? Pourquoi vous êtes invité ce soir à nous parler, à discuter avec la responsabilité qui nous incombe, c'est de pouvoir faire la lumière sur cette épineuse question du Petrocaribe. Donc, si vous n'êtes pas invité, on ne serait pas en mesure quand même de dire à votre place qu'est-ce qui s'est passé. Voilà pourquoi. Donc, je crois que vous êtes tous deux plus anciens ministres. Vous voulez que vous soyez quand même en mesure de nous dire, voilà. En gros, je suis président de cette commission, j'ai eu l'appréciation, l'aval de mes collègues à présider cette commission. Donc, pour moi, sénateur Nélier qui préside la commission des finances, c'est un membre de cette commission. Sénateur Hervé Foucault, le PDDC, lui, se connaît dans ce domaine-là, il est un membre de cette commission. Le sénateur Olozio Louis, et les autres, ils sont sénateurs, ils n'ont pas voix délibérative, mais ils peuvent participer à toutes les séances. Et poser n'importe quelle question. Merci, encore d'être venu. Encore, ils ont la première question, c'est... Par exemple, on a guidé, par exemple, là, pour la queue. Vous voyez ça, tous les ponts qui avaient été déjà commencé à l'époque du président de l'Ouest. Moi, à l'arrivée, je dis non, c'est le plus important qu'à faire. Il y a des gens qui veulent, il faut continuer. Terminer les 18 ponts, il y en a une vingtaine de la station de l'Ouest. Donc, ça, c'est pour déjà mettre l'idée sur le choix des projets. Il est vrai, je vais vous dire, moi, personnellement, moi, j'ai eu affaire à deux points. Personnellement, je vais vous dire. J'ai tenu à faire le choix des deux viatures. Moi, c'est moi personnellement, parce qu'en arrivant au ministère de l'Intérieur, je sais que c'est un projet qui était déjà étudié. On avait choisi, au lieu de faire des viatures, de faire la place, des places de l'air. C'est un projet qui avait étudié avant moi. Par chance, comme il y a eu le temps de l'hôtel pour passer, tous les archives du ministère ont été perdus. Par chance, j'ai eu contact avec la fille LGR, le dernier chance. Ils étaient une filiale de la Valle internationale. Et j'ai rencontré des gens de l'agence. Il m'a dit oui, on pense qu'il y a des archives. Naturellement, on a fait des corrections parce que ça ne peut pas, ça ne peut pas être pas. De la façon dont ça avait été conçu, la rue de l'Église était fait. Il n'y avait qu'une voix seulement. Et puis on a étudié, on a compris, dit non, il faut quand même, si vous faites que bien, vous par exemple, de la maison, il faut asphalter la route de Kodada. On asphalte la route de Delma 11 aussi, pour faire la liaison par derrière le, là où il y avait le, tout ça, et il faut avaler à la grande le bas. Et puis, l'esprit, on va de notre station. Station de l'eau, ça a été fait. De 2011, le gouvernement a pris place le 15 octobre 2011. À l'époque, les ministres siaient sur les fonds d'investissement. À partir de la réforme imposée par le FMI dans le cadre de la modernisation de la réforme des finances publiques, on a fait l'extension que les comptables du public aussi avaient signé à la place des ministres les chefs d'investissement, les fonds d'investissement. Mais il est vrai aussi, il faut dire aussi, pour les fonds de l'économie, c'était peut-être au début, peut-être c'est fait. Prochain, mais avant, la procédure c'est quoi? Quand j'ai peut-être un projet que le ministère gère, par exemple, c'est la firme. Vous présentez ma facture, la firme, il y a la firme de supervision qui est supervise, qui est d'accord sur le décompte, qui a pour le décompte, la firme de supervision envoie la facture à travers le ministre pour être expédiée maintenant à la ministère de la planification.
le ministère de l'Éducation regarde vraiment. Lui, il s'y a tous les documents. C'est le dépôt, la fin de l'éducation, s'il a le contrat aussi. Et ensuite, le ministère de l'Éducation transmet la facture au ministère des Finances. Mais au ministère des Finances, ça a une étape pour le faire. La première étape, c'est la direction générale du budget du ministère des Finances, qui maintenant voit si le projet est tel. Et à le projet, c'est étudié à nouveau au ministère des Finances. Non, alors tu vas me dire pourquoi, parce que les finances, c'est un niveau de dégressement. Oui, mais pourquoi c'est dégressement en fait. D'abord, la planification de si le projet était déjà inscrit dans le cadre du budget. Donc il n'y a aucune étude qui est censée. Non, la création de loi, si les documents que vous envoyez, vous avez une facture. Une fois que la firme de supervision, lui, elle-même de son côté, qui a la supervision, il y a des travaux, pas des travaux listés, il y a des travaux listés, parce que les travaux sont payés vraiment, c'est au prorata, ce n'est pas forfaitairement, environ 30%, après une fois 30%. Non, c'est au niveau des quantités de travaux réalisés. Vous voyez, si vous devez faire 100 mètres cubes, il y a un moniteur de temps, par exemple, mettant les 10 dollars, on voit quand même la firme vérifie avec ses factures et voir si la firme a été descendue. Je vous dis que Pétro-Caribe est une source de recettes dans le État ici, au même titre que les recettes de la DG, les recettes des douanes, les recettes de la Banque mondiale, les recettes de la ville et tout, les bailleurs de fonds en général. Mais pour une raison ou pour une autre, je ne dois vous dire, et il a été décidé que les projets financés par, sûrement c'est pour la publicité quand même du bailleur de fonds, les projets financés par Pétro-Caribe devaient être séparés des autres projets financés par le président. Chaque jour, Timon l'a écrit, ou député de l'a écrit, mais il y a tel problème qui vient, Timon va pas jouer, pas capter ceci, pas capter cela. Maintenant, le gouvernement, qui te promet ça depuis longtemps, décide, pas que l'argent vous le fait, l'argent est arrivé, vous décidez, bon, il faut aller. Mais on ne va pas aller quand même, parce que le gouvernement a décidé ça, et que le moyen va le faire. Comment ça, on va faire? Il faut aller, comme la loi le dit, devant la CNP, qui lui-même, autorisé, il y a un appel d'offres restreint, il y a quand même un appel d'offres, c'est un peu de poser une question. Appel d'offres restreint réalisé et le marché est passé. Une fois le marché a passé, il y a un contrat qui est passé, qui dit comment l'a réalisé, combien de décaissements a fait progressivement. Tu as fait ça? Non, pas faire. Pas d'appel, monsieur. Où t'as fait l'automation, appel d'offres international, où t'as fait? Oui, appel d'offres international avec l'agent d'État ou elle font un appel d'offres international en général. Non, je sais. C'est parce que, par exemple, on gagne des types d'activités, on gagne des types d'activités. Qui réclamait une expertise. Expertise ça au pas joint. On va chercher une firme qui est capable de mettre la raison sur un terrain. Et puis on sait pas, c'est un domaine pour aller. Et pas foutre à l'état dans le passé. Il y a pas sur le chat. Les blagues, on a fait celui, on produit 15%, 15%, et finalement, on se trouve l'autre accès sur pas sur le chat. Comment ça fait? Les sénateurs, ils devaient se dire qu'ils signaient une bague de modification, peut-être une deuxième, et avenant, premier avenant, ils signaient une bague de modification. Mais que ça passe dans le dossier, ça arrive. Il paraît que ce sont des dossiers qui ont été approuvés durant la période de l'étude du bac. Pour commencer. Et puis en chemin de constater que ça va être une voile. Pas qu'à faire. C'est justement la question. Donc, on vient de rendre compte pour même pour les ministres, au bon projet d'État de façon valait comme la dame, et puis le projet va utiliser. Pendant un an qu'a fait son blé, pas perdu l'argent pour les gagner.
que utiliser l'eau. Responsabilité table est limitée à financer une élection. C'est le ministre de la planification de la planification. Agence-là, mieux d'avoir un CIO autour de ça. Vous assurez que cette instance de contrôle ait les moyens de ses responsabilités. C'est la première chose à faire. Faire en sorte aussi que la procédure des compétences administratives se spécialise dans ce pourquoi elle est là, c'est-à-dire intervenir seulement ex post. Parce que le ministère de la procédure des compétences administratives intervient au moment de la signature des contrats et intervient aussi au moment de l'analyse et des critiques sur les mauvaises exécutions des contrats. Ça veut dire. La poursuite des comptes est à la fois la moyenne à part, ça veut dire qu'il est jugé parti. C'est un vrai problème de la décision publique haïtienne. On n'a pas de pays à avoir cette situation-là. La poursuite des comptes ne devait pas intervenir sur les contrats en amont. D'ailleurs, la Constitution ne demande pas à la poursuite des comptes de faire le travail qu'il fait. La Constitution dit que la poursuite des comptes donne un avis. Elle n'a pas dit que la poursuite des comptes doit signer un contrat ou bloquer le contrat. Faire l'arbitration du contrat. C'est pas ce que dit la Constitution. Nous avons mal interprété cette affaire-là. Donc, le premier rôle pour le Parlement aujourd'hui, pour le Sénat, et vous, je me plais à voir qu'il y a autour de cette table le sénateur très expérimenté, vous-même expérimenté aussi, mais surtout vous êtes juriste, et vous-même expérimenté, vous êtes dans la finance, fiscalité. Donc, vous comprenez ces problèmes-là. Et si on veut résoudre nos problèmes et faire en sorte que les questions de corruption de l'essai dans les contrats ne puissent exister, première chose à faire, c'est de l'apprivoiser. Deuxième chose à faire, c'est d'accompagner cette administration à mettre en place ce qu'on appelle le système de prix de référence. Parce que s'il y a des problèmes dans les contrats, vous pouvez faire des rencontres mille fois là, il y aurait. Les protocoles sont définis dans la loi, ne faites pas confiance, les protocoles sont respectés. Bon, on peut faire des erreurs, mais en général, les protocoles sont respectés. C'est déjà dans la nomination des contrats. Quand les contrats sont initiés, c'est à ce moment-là qu'il y a les problèmes. De la manière dont on mesure les travaux à réaliser, de la manière dont on évalue les travaux qui sont à réaliser, quand on dit qu'on fait cette lettre 32 de largeur de route, est-ce qu'on fait cette lettre 32 de largeur de route? Il faut vérifier ces affaires-là. La Cour des comptes, déjà, va avoir cette compétence, pour faire l'évaluation des projets. Ce que la Cour des comptes fait, c'est une évaluation comptable. Le sénateur, je suis très heureux de participer à cette chose avec vous. En 2013, je suis arrivé au ministère de l'économie des finances la première fois. J'arrive le 18 avril, j'ai déposé le budget 2013-2014 le 28 juin au Sénat, justement, je vais déposer ce projet de budget. Du 18 avril au 28 juin, j'ai fait les 10 départements de la République. Dans le budget, j'ai mis ce qu'on a appelé les 50 mesures en soutien à l'emploi et à la croissance économique. Si le Parlement avait pris le temps de regarder ça, ils auraient compris que je leur ai donné une arme pour contrôler l'administration. Pour évoluer, toutes les questions d'opportunité dont je parle là. Une dépendance est faite. Les marchés publics sont-ils publiés suffisamment à temps pour permettre à la petite entreprise de Jérémy et à la grande entreprise de Cap-Haïtien de pouvoir participer aussi. C'est moi qui fais ça. C'est moi qui généralise les comptes publics dans l'administration publique. Mais j'ai oublié ça. Et je l'ai fait justement parce que je ne pense pas qu'on peut régler le problème d'Haïti en restant sur un mur à raconter des histoires sur Haïti. Il faut aller dans l'arène. Moi, je suis allé dans l'arène pour essayer de faire les réformes que je pouvais faire. En fait, on peut le critiquer, on peut dire des choses. Mais moi, je dis que sur les questions qui m'ont été opposées,
je n'ai rien à me reprocher et on ne peut pas faire la démonstration que j'ai fait des choses qui sont incorrectes. Et nous sommes critiqués, c'est la sagesse qui existe. Je dis, si vous avez une autocritique, vous avez le droit pour le cas. Voilà ce que moi je voudrais faire, c'est ça, moi je voudrais d'avoir faire telle chose, ça n'a pas été fait en rien, même en tant que mec. Est-ce que tu es pour comme regret d'avoir été dans l'administration? Si j'avais un regret, c'est d'estimer qu'on a besoin que les institutions de la République fassent leur travail et qu'on leur laisse faire leur travail. Et que, par exemple, ce qui m'est arrivé, si vous voulez, une note personnelle, ce qui m'est arrivé sur la base de ce rapport, de ce qui a été dit, etc., autour de moi. Je regrette que les institutions ne font pas leur travail et qu'ils ne sont pas en capacité de défendre les citoyens. Parce que ce qui m'est arrivé, c'est un message que je voulais donner à des gens comme moi d'éviter de venir dans l'administration. C'est ce que je regrette. Mais c'est ce que les institutions de la République ne sont pas là pour protéger les citoyens. Je pense.